Eh bien, salut tout le monde, c'est Paula59 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve tout simplement et comme vous le voyez sur Minecraft PS3. Donc aujourd'hui on va tout simplement un petit peu vous faire découvrir un peu ce que je suis en train de faire. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il y a devant vous, donc je suis en train de continuer un peu les tours comme celle-ci. Donc 4 tours qui sera là aussi, comme celle exactement les mêmes que cela. Ensuite il y aura 4 tours là-bas et 4 tours là-bas et ensuite un château en plein milieu. Donc pourquoi faire ça? Tout simplement parce que j'ai seulement enfin récupéré une micro SD, donc je vais pouvoir reprendre les vidéos sur console, donc bien sûr, parce que sur le téléphone j'en faisais un petit peu souvent. On me l'a fait remarquer justement sur les commentaires des vidéos. Donc les vidéos sur console, enfin sur PS3, va reprendre. Tout simplement pas tout de suite car là c'est les périodes de Noël et tout ça et comment dire et à partir du 4 janvier je ne serai pas présent au niveau des vidéos, je serai absent, donc je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo aussi. Là tout de suite je voulais tout simplement vous parler un petit peu de ce qui va arriver. Donc actuellement, je suis comment dire en train de créer une nouvelle chaîne. Donc la chaîne, le nom de la chaîne et tout ça, je le dirai dans une autre vidéo avec la personne concernée, car je ne serai pas tout seul sur cette chaîne-là, on sera deux. Donc son pseudo, c'est je ne sais plus du tout son pseudo. Je vous le dirai tout simplement. Dans une prochaine vidéo justement qu'on parlera de cette chaîne-là avec lui. Enfin j'espère trouver un créneau qu'on puisse faire une vidéo à deux. Comme ça et il se présentera et puis il expliquera un petit peu ce que lui va faire sur cette chaîne. Donc oui, une nouvelle chaîne YouTube, donc toujours du gaming mais un petit peu plus varié que ce que je fais d'habitude. Donc voilà. Et on sera à deux, tout simplement. Donc de temps en temps ce sera lui, de temps en temps ce sera moi, de temps en temps ce sera nous deux, tout simplement. Ensuite, je vais venir tout simplement à mon absence. Donc je serai absent de janvier jusqu'à avril. Donc 4 mois en gros. Car je suis en formation dans les jeux vidéo justement. Donc je vais tout simplement être à Lille pendant 4 mois pour découvrir comment développer des jeux vidéo, comment les coder et tout ça. Donc voilà l'absence que j'aurai qui sera un manque de vidéos, en sachant que je pourrais normalement faire des vidéos quand même. Donc je vais essayer faire des vidéos de là-bas tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour l'absence, pour ce qui va arriver. Donc la nouvelle chaîne Wolf Cube 3 qui va revenir, mais vraiment pas tout de suite. Je vais plutôt attendre un petit peu encore car il y a pas mal de bugs là, en survie sur Minecraft PS3. Sur Xbox ils l'ont pas. Sur PS4 ils l'ont, sur Sony ils l'ont en fait, sur tous les, comment ça s'appelle, toute la plateforme Sony, donc PS4, PS Vita et PS3. Donc on a des petits bugs qui est un petit peu dérangeant, mais bon j'espère que ça va être réglé et puis je vais pouvoir commencer Wolf Cube saison 3 et dernière saison. Ce sera la dernière saison. Donc là comme vous le voyez c'est pas très intéressant ce que je fais, hein. Je suis juste en train de monter des blocs pour faire 3 étages d'immeubles, enfin de tours. Donc c'est des tours de guet tout simplement. 4 tours de guet qui en fait qu'une seule. Donc dans la tour de guet il y a une cour en fait pour justement que les gardes puissent s'entraîner tout simplement. Donc je vais vous faire visiter vite fait. Je termine juste ce petit C là et puis je vais vous faire découvrir ça. Donc là vous voyez, hein, il y a des trous, tout ça sera enlevé, tout ça pareil. Donc en gros là le château en lui-même, enfin les tours de guet en lui-même,
J'ai fait ça en taille réelle, donc imaginez un petit peu la taille, c'est en taille réelle. Donc c'est un peu grand, donc j'ai galéré pour faire les mesures et tout ça, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, donc voilà. C'est juste abusé, mais bon, il faut bien, comment dire, passer le temps quand on n'a rien à faire, surtout dans les périodes de fin d'année. Donc voilà, donc oui, je vous souhaite tous un joyeux Noël, une bonne année, et puis une bonne santé, hein, tout simplement, car il y aura pas de vidéo jusqu'à, à part celle-ci ou sur Android, peut-être que je ferai une vidéo, je ne sais pas. Ah, mince. Donc je ne sais pas, mais je vous souhaite vraiment de bonnes vacances, de bons réveillons, joyeux Noël et puis de bonne année. Profitez bien de votre famille et tout. Très important. Donc j'ai terminé ça vite fait. Et puis bah, quoi dire d'autre, à part que ça fait juste du bien de refaire des vidéos sur Minecraft. J'ai longtemps. J'ai pas arrêté d'y jouer, mais en vidéo, ça fait déjà un bon moment. Ça date de quoi? La dernière vidéo, c'était quoi sur Minecraft? Je sais même plus. Je sais même plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ouais, là sur la map, j'aurai pas mal de choses à détruire. Ça va être beaucoup de travail. Donc, voilà. Donc, pour la formation, un truc qui va se passer, c'est qu'il y aura à la fin de la formation une démo jouable sur le jeu. Donc, je vais essayer de justement de record la démo jouable pour vous faire découvrir ce que j'ai créé avec l'équipe, tout simplement, parce qu'à mon avis, on sera en équipe ou soit individuel. Mais bon, 4 mois, je pense plus qu'on va partir en équipe qu'individuel. Parce que faire un jeu en 4 mois, c'est quand même chaud. Qu'il faut faire les décors, enfin les décors non, sont déjà implantés, ce qu'on m'a dit. Il faudra faire le mouvement des personnages, les ouvertures de tout truc qui peut s'ouvrir en fait, la mobilité et tout ça. Donc ça va être pas mal chiant, mais pas mal fun aussi en même temps, découvrir un peu ce qui se passe derrière tout ça. Ce qui se passe derrière, en gros, comme Activision fait que de la merde en ce moment, hein. Je sais pas s'il y a une nouvelle mise à jour sur Call of, sur Black Ops 3 je parle, parce que vu les bugs de merde qu'il y a, c'est juste abusé, on dirait qu'ils ont codé ça avec leurs pieds, quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, l'étage est terminé, donc je vous fais montrer un petit peu ce que ça donne de loin. Même si au début c'était déjà loin, mais ça va donner ça. Donc imaginez un petit peu ces toits-là ici avec un étage de plus, qui donne vraiment pas mal. Ensuite ici il y aura un truc à casser parce qu'il y aura une grosse porte, hein. Pour l'instant j'ai mis que des fenêtres, hein, pour pas m'embêter un peu, enfin, pour pas m'embêter tout simplement pour l'instant, moi ça fait déjà pas mal. Ça je dois modifier car il y a 3 fenêtres, ici il y en a 2 et une petite, il faut que je modifie un peu. Il faudrait que je terraforme aussi parce que voilà, c'est... Donc de base ça devait ressembler à ça. De base ça ressemble à ça en fait. Ça, c'est juste la tour de guet. Donc j'ai mis des contours derrière, mais ça je pourrais les détruire, mais au moins ça me donne un meilleur aperçu. Donc je sais pas si j'ai déjà fait montrer en vidéo. Je pense que si, hein, je ne sais plus. Vous pourrez me le dire dans les commentaires, ou au pire j'irai voir directement mes anciennes vidéos. Donc de base, ça devrait ressembler à ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc 4 tours, les murs ici, et puis ici la cour. Donc je vais vous faire découvrir ça. Donc là il y a une porte, mais la porte je sais pas si elle va rester. Donc on va découvrir ça en marchant, hein, tout doucement. Regardez comment c'est énorme. Franchement c'est énorme, c'est ma plus grosse construction que je suis en train de faire depuis que je joue à Minecraft. C'est un projet en fait qui va me servir peut-être là-bas, je ne sais pas. Donc on verra. Donc c'est un projet que j'ai depuis déjà un moment. Donc là normalement les murs que je devais remonter, mais j'avais pas envie, du coup ça restera comme ça. Quand on rentre, ça donne ça directement, donc vous voyez un petit peu la grandeur du truc, donc en sachant que ceci va aller là-bas et ici, donc ce mur-là va remonter pour avoir des smileys comme ça, ici il va encore avoir une autre tour au-dessus, enfin une autre tour, un truc comme ça, voilà.
Donc c'est quand même grand, c'est même très grand hein, quand vous voyez comme ça fait une belle petite croix au calme. Vraiment pas mal, franchement vraiment pas mal. Si on se met vraiment au milieu, ça donne vraiment un style vraiment pas mal. Ouais j'aime bien, franchement j'aime bien. Je vous ferai découvrir un petit peu, donc là j'ai mis des plafonds, il y a je sais plus combien d'étages, je pourrais pas vous le dire mais il y a pas mal d'étages. En gros ça donne ça en fait, si on regarde, voilà j'ai même commencé ici les étages. Vous voyez, hein, je commence des trucs mais je les finis pas. Hein. Vous voyez, je commence un étage alors que je suis déjà en train de faire les trucs là-bas. Donc voilà. Du coup, comme vous voyez, donc ça rend bien. C'est vraiment grand. Ici, il y a un couloir, tout simplement pour aller dans le couloir ici, donc la tour que je viens de faire, donc avec un étage en haut. D'ailleurs, je sais pas vraiment si je vais laisser comme ça ou je vais peut-être mettre un escalier ou je sais pas trop comment faire. Pour monter jusque là-haut, je sais pas du tout comment faire là pour le coup, mais bon, là vous voyez un petit peu, donc il y aura tout simplement des escaliers pour sécuriser un petit peu. Vous voyez, on voit un peu dehors, donc les archers peuvent se mettre là, pourront se mettre aussi ici. C'est vraiment pas mal. Donc là-bas, c'est pas fini, donc je vais stresser un petit peu parce que ça va assez vite. Ici, c'est pas fini, vous voyez, c'est encore. En bordel, c'est vraiment un bordel, mais un bordel monstre en fait. Tout ça, je vais devoir jarter la petite montagne qu'il y a ici, les villages de PNJ. Regarde, on peut même aller en dessous là. On peut même passer en dessous, c'est juste abusé en fait. C'est juste n'importe quoi. Alors, sachant que le château va arriver normalement, donc le milieu du château, je crois qu'il sera ici. Le milieu du château sera ici, à mon avis. Donc là, il y aura quand même des fenêtres en fait pour sécuriser aussi le château. Donc il y aura le château ici à mon avis. Donc tout ça, il faudra vraiment bien détruire tout ça. Ah, il y a un autre village de PNJ là-bas que j'avais même pas vu d'ailleurs. J'ai vu celui-là, mais pas celui-là là-bas. Alors que what? Alors que j'ai construit juste à côté, j'ai pas vu qu'il y avait un village de PNJ. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et il y a quoi dedans du coup? Ok, d'accord. Donc j'espère que vous avez le son du jeu, parce que je ne sais pas du tout si le son du jeu fonctionne. J'ai pas reparamétré l'Avermedia. Normalement il y a une mise à jour dessus en plus, que j'ai pas encore faite. Donc vous voyez, ça donne vraiment pas mal, en sachant que ce mur-là, je vais le grimper. Je dois le grimper à quelle hauteur par exemple? À 1, 2, d'accord. À 2, à 2, à 2. On va le faire tout de suite. On va le grimper à 1, 2. 1, 2, paf, voilà. Ça va aller plus vite comme ça. Donc on va le faire tout de suite. Hein. De toute façon, on a un petit peu le temps. De toute façon, ça me fait plaisir de refaire des vidéos sur Minecraft console. Donc pour ceux qui souhaitent participer à Wolfcube 3, enfin saison 3, ouais, Wolfcube 3 de toute façon, c'est son nom. C'est tout simplement que cette fois-ci, je vais faire une sélection. Donc si vous souhaitez tout simplement participer, ce sera si vous m'avez sur Skype, eh ben envoyez-moi que vous souhaitez participer sur Skype, ou si vous souhaitez tout simplement si vous avez pas, si vous m'avez pas sur Skype et si vous avez Skype, ajoutez-moi. Donc c'est très simple, c'est pour la 59 hein, tout simplement, c'est le nom de ma chaîne, c'est fait exprès de toute façon, mon Skype est fait exprès pour les abonnés. Donc voilà, ou sinon bah, par message privé YouTube. Ou Google Plus si vous avez, car les commentaires, je ne pourrai pas malheureusement tous les trier, tout ça, si vous souhaitez participer. Donc essayez de le faire par message privé, message Skype, ou tout simplement bah, si vous n'avez pas Skype, bah, envoyez-moi un Skype. Enfin, faites-vous un Skype, ça prend pas longtemps, franchement. Ça prend vraiment pas longtemps. Et puis voilà. Donc, ça fait déjà 15 minutes. Ça fait que 15 minutes. Oh la vache. Et pourtant, j'ai presque tout dit. Ça fait que 15 minutes. Oui. Donc, la personne qui va être avec moi pour cette nouvelle chaîne, donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est un ami. C'est même plus qu'un ami en fait. C'est un bro. Moi, je l'appelle comme ça, un bro. Un brother. Donc, un frère. Tout simplement. Donc il fait partie de l'association Otaku World, donc du club manga. Donc si vous savez pas c'est quoi,
Je vous laisse aller sur Facebook. La page, bon, c'est une page fermée. Donc vous tapez Otaku World et vous allez tomber dessus. Donc tout simplement. Et puis bah, c'est le club manga en fait que je fais partie actuellement. C'est vraiment super. Donc où est-ce que j'ai fait la Japan Expo avec eux, petite vidéo très sympathique, ou que bah, malheureusement j'ai pas pris beaucoup de vidéos dessus d'ailleurs. J'avais pris pas mal de photos, mais les photos ont été buggées, ils ont buggé les photos. Donc voilà. Donc pour vous dire tout simplement que ce sera avec un membre du club en fait qui lui voulait se lancer sur YouTube justement. Donc il en parlera lui-même. Mais je préfère dire juste un petit peu pour combler le vide qu'il y aura sur cette vidéo-là s'il y a des blancs, parce qu'à mon avis il y en aura. Donc c'est pour ça. Donc ouais, il voulait se lancer sur YouTube mais il voulait pas le faire seul. Alors du coup bah, on s'est associé tout simplement pour créer une nouvelle chaîne directement. Au début on était parti pour faire sur cette chaîne-là, mais je me suis dit non, cette chaîne-là je vais la garder pour moi vu que je suis que sur console. Là ça sera plus sur PC. Ouais, ça sera plus sur PC je pense. Donc voilà. Du coup, bah, on en reparlera de toute façon ça, et je vous tiens au courant hein, dans les réseaux sociaux, sur Twitter surtout. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter, je suis très actif sur Twitter, toutes mes vidéos sont partagées directement sur cette plateforme, donc n'hésitez pas, franchement c'est vraiment pratique. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Comme là actuellement, il y avait Top Achat qui faisait des petits concours pour gagner justement. Beaucoup, mais vraiment beaucoup de matériel pour record. J'espère justement si je peux gagner, ça serait vraiment trop bien. Là, c'est le lot final, malheureusement. Donc, je le dis un petit peu trop tard, mais bon, je pouvais pas faire d'autres vidéos avant. Donc, je le dis un petit peu trop tard, mais j'espère gagner ce lot parce que franchement, ça m'aiderait beaucoup. Comme ça, pour divertir ma chaîne, avoir de meilleures qualités, tout ça, surtout meilleure qualité son. Car voilà, hein, il faut pas charrier ma qualité sonore. C'est pas la meilleure, on va dire. Donc voilà. J'ai un petit bug. Faut pas parier qu'ici. Demi-dalle, escalier, bloc. Ah oui, d'accord, c'est des demi-dalles au-dessus. Okay. J'étais en train de chercher, c'est quoi le bug? Donc voilà, ça c'est terminé. Hop, voilà. Donc ça rend déjà un peu mieux. Donc on va faire le petit smiley. Et puis on se laissera là, les amis. Donc en sachant que je vais peut-être devoir faire une petite ellipse, je pense, parce que vous le savez, hein, j'ai toujours ce petit bug de. Voilà quoi, de brin, hein, qui me saoule. Du coup, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7. Donc à 7. Donc 1, 2, 3. Oups. 7. Donc les amis, je vais vous faire une petite ellipse et puis on se reprend pour continuer ce petit smiley ici. Donc à tout de suite les amis. Et re tout le monde. Donc voilà, c'est parti. L'ellipse est passée. Donc ça a pris que quelques petites secondes. Hein, vous inquiétez pas, c'était pas très long. J'avais juste à couper l'enregistrement et la remettre hein, tout simplement. Donc j'aurai un petit montage à faire, mais c'est pas trop dérangeant car mon application pour les montages fonctionne toujours bien, donc ça c'est pratique. Donc le petit smiley qui va bien, donc je vais speeder pour la faire tout simplement parce que voilà hein, c'est rien de d'énorme surtout comparé à la construction, c'est vraiment tout petit. Donc ce coup-ci, je vais y mettre des yeux, peut-être. Alors j'ai fait de l'or, j'ai fait du fer, j'ai fait des diamants. Je vais mettre de l'émeraude, pardon. Ouais, je vais mettre de l'émeraude. Ça sera pas mal. De l'émeraude, c'est pas mal. Donc hop. On va pas casser le mauvais bloc. Hop. Voilà. Descends doucement. Voilà. Donc alors, on va enlever ceci. Donc, oui, si vous voyez plein de bordel sur moi, c'est tout à fait logique. Vous inquiétez pas. C'est juste que bah, j'ai eu un petit souci avec des arbres qui m'ont saoulé. Du coup, j'ai préféré les exploser à la TNT. Voilà. Pardon, ça va beaucoup plus vite.
On va enlever ça, on va prendre le bloc d'émeraude, et puis on va me faire les yeux et tout et tout. Donc la tête était en bois comme ça. Voilà. Était en bois comme ça, donc celui-là, celui-là, ici et ici. Voilà. Donc ouais, c'est assez simple ce que je fais. Hein. C'est pas du gros décor de ouf. Comme vous le voyez, hein, c'est tout simplement pour dire, voilà, c'est du fun, hein, en même temps. J'aime pas trop faire ça sur du gros truc. Là, j'essaie juste tout simplement de tester de nouveaux styles, en fait. C'est pour ça que je fais ce château. Parce qu'à chaque fois, je suis toujours en train de le modifier. Vous savez, bah, juste pour faire les 4 tours qu'il y a ici, j'ai quand même pris pas mal de temps. Hein. J'ai pris plus d'une semaine, je crois. Ouais, c'était ça, c'était plus d'une semaine. C'est énorme. Franchement, c'est juste énorme, une semaine de faire des. Pour juste faire une tour. Et c'est juste parce qu'en fait, j'ai pas de plan. C'est que au feeling que je fais ça. Donc, il y a des moments où bah, ça sera mal fait ou quoi. Donc, comme voilà, le smiley il est fait, on le voit de l'autre côté normalement. Ouais, on le voit de l'autre côté. Donc comme là, attendez, c'est où? Ouais, le toit qui est ici, en fait, j'étais en train de me tâter, du coup, bah, je l'ai mis sur le Facebook du club. Enfin, non, plutôt sur le mien, en fait, et le club a réagi. Des membres du club, certains membres du club ont réagi pour dire que ça faisait bizarre le jour qu'il y avait. Donc dites-moi dans les commentaires si le jour ne fait bizarre ou pas, en sachant que je voulais garder le même style que ça, donc un style assez... Ça fait assez... Enfin, je sais pas trop comment appeler ce style-là, mais c'est vraiment pas mal. Donc après, il y aura des escaliers à faire pour monter jusqu'ici parce que voilà quoi, les archers peuvent se mettre là. Voilà, hein. Et là, si tu tombes, en fait, tu meurs. Vous voyez, on a quand même belle vue, hein. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. On peut même dire coucou là-bas. Oui. C'est vraiment pas mal. Re tout le monde, donc désolé pour la petite coupure qu'il y a eu, mais c'est juste parce que j'ai eu une intrus qui est passée. Donc voilà, donc on reprend, je disais tout simplement qu'on pouvait. On voit vraiment comment c'est haut en fait, qu'on voit quand même pas mal de loin. Donc c'est dommage que la rendue visuelle, en sachant que ma rendue visuelle, je crois qu'elle est à fond. Je sais même pas si on peut. La gamma d'ailleurs, s'il te plaît. Donc ouais, je fais mes paramètres en pleine vidéo, oui, c'est normal. Afficher les nuages d'ailleurs. Comme ça, vous voyez un petit peu la hauteur, hein, les nuages passent sur les tours. Donc c'est un petit peu bizarre. Mais bon, voilà. Du coup, on va l'enlever. Mais c'est bizarre parce que normalement, la rendue. Je sais pas si on peut... Non, il n'y a pas. Donc c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc on va, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Ah, il y a des bugs de couleur, c'est peut-être pour ça que j'ai mis la gamma à fond en fait. Ah oui, c'est pas torché ici. Je crois qu'il fait tout noir. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça. Donc ça changera plus tard. Donc voilà. Donc les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On va se laisser là pour aujourd'hui. Sur ce petit décor, donc je vais peut-être faire un petit screenshot pour faire la vignette en fait, tout simplement. Pour faire la vignette, on va faire un petit screen, je pense. En sachant que je vais devoir enlever l'interface. Afficher l'interface, c'est ça. Voilà. Donc voilà, je trouve que ça rend bien. Donc dites-moi dans les commentaires si le toit au milieu, où est-ce qu'il y a le grand mur en fait, avec toutes les fenêtres. S'il a modifié ou pas, donc j'attendrai vos retours dans les commentaires avec plaisir. Ça serait vraiment super. La bonne mur, c'est enfin décidé à s'afficher. Donc ouais, ça le rendu à distance de, enfin le rendu de distance, je sais pas pourquoi là. C'est un petit peu chiant en fait. Donc voilà, donc les amis, je vous dis merci de regarder cette vidéo. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, bye tout le monde et joyeux Noël et bonne année. Salut.